Wow, bonjour, je suis Alus et bienvenue dans ce fun game Mini Doom 2. Qu'est-ce que c'est Mini Doom 2? Eh ben, je vais vous le dire, c'est un fun game qui m'a directement tapé dans l'œil de par son nom. Mais en plus, quand j'y ai joué, ah, j'ai été agréablement surpris. Parce qu'il y a plein de petites choses qui font que c'est un bon jeu. Il y a aussi des mauvaises choses, mais franchement. S'il y a un fan game qui reprend un FPS et que je trouve bien actuellement, c'est celui-là. Alors, si je rappelle que tous les jeux présents en fan game, vous pouvez les télécharger via leur lien en description qui vous ramènera sur la page du créateur ou de l'équipe. Mais je pense que là, Mini Doom 2, vous allez aimer. Parce qu'en plus, les musiques sont cool. Le jeu est cool. Bref, tout est cool. Alors, j'ai déjà commencé une partie dans mon coin pour tester un peu. J'ai fait deux niveaux. Je joue en standard parce que je suis une énorme brêle. Mais du coup, je vais vous présenter un petit peu. Alors, il y a un scénario que je vais tenter, je dis bien tenter, de traduire. Ça va pas être facile. Alors, on va jouer en. Alors, oui, il y a trois modes. Il y a quatre modes de difficulté. Hein, alors, le fesse. Ouais, par contre, la sensibilité, je vois actuellement la manette, c'est super chiant. Alors, vous en avez droit à facile. De trouver les niveaux sont assez faciles, les ennemis simples. Il faut revisiter certains niveaux pour trouver des upgrades et vie limitée. L'arcade, vie limitée. On peut pas revisiter les niveaux. On lose tout si on, bah, si on perd toute nos vies, on revient à la map. Et bien sûr, c'est une expérience un petit peu old school. Et en hardcore, là c'est règles de l'arcade, donc la mort est permanente. On perd toutes nos vies, c'est fini. Et on peut. C'est en finissant celui-là qu'on peut débloquer le quatrième en dessous. On va tester en hardcore, juste pour expérience un petit peu old school. Mars, en l'an 2008, nous avons ouvert les portes de l'enfer. Des légions de démons sont sortis. Seulement un seul Marines pouvait stopper l'invasion, c'était Doom. Il n'y avait pas besoin de plus. Rip and Tears, tuer et anéantisser avant que ceux-ci soient morts. Et déjà, quand on arrive sur le choix du niveau, si vous réfléchissez un peu, si vous avez de bons souvenirs, ça fait un peu penser à un certain Mario. Bros 3 et Mario maintenant quand on choisit le niveau et je trouve ça déjà bien. Alors il y a une chose que je ne comprends pas par contre, c'est en choisissant la difficulté du début, c'est-à-dire facile, normal, difficile, on a encore le choix de difficulté, à savoir le très facile, facile, normal, dur, cauchemar. Et moi je me dis on va prendre en normal. Voilà, alors déjà, juste à cause de la musique, je vais avoir des problèmes de droit. Mais actuellement, je m'en bats les couilles. Alors, le hub central, on a en haut à gauche les clés qui vont nous servir à avancer dans le jeu. On a la barre de vie, on a l'armure, on a nos vies. En bas à droite, vous avez le nombre de grenades que je possède. En bas à gauche, ce sera pour plus tard. Et tout à gauche, en bas, vous avez les munitions, les énergies. 4, je ne sais pas ce que c'est. Et 2, j'ai oublié ce que c'est. Et... juste en bas à droite, c'est le nombre de kills que je fais. Voilà, j'ai fait un kill. Et bien sûr, j'ai les classiques, El Classico, comme diraient certains, améliorations de jeu. Des armures. Ah voilà, donc en droite, c'est l'armure. Ouvrir la porte. Là, alors moi je joue actuellement à la manette donc. Là, on a la roue des armes où le temps est ralenti. Donc, je choisis shotgun. Avec gâche droite et gauche, je peux faire des roulades qui correspondent aux esquives. Et je vous donne un petit tips, baissez-vous à chaque fois parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà. À partir du moment où vous baissez, vous êtes intouchable pour 90% des attaques. Oh là là, oh la musique. Oh là là. Donc là, première clé, la blue key, sauf que ce jeu, évidemment, a des secrets. Voilà, les fameuses runes. Donc là, pour le moment, c'est que un des premiers secrets du jeu.
seul, il y a d'autres secrets. Dans ce jeu, il y a des améliorations qui sont pour la plupart utiles et d'autres qui sont... Bon, non, tout est utile en fait. Hop, on utilise la clé. Alors, par contre, pour des raisons économiques, je vais m'en remettre en facile. On a des checkpoints. C'est cool. Alors, il y a un petit problème au niveau, je pense, du mixage sonore, je trouve. Ah, un petit bouclier. Là en bas, on a une porte. Je peux pas y accéder pour le moment. Non. Dommage. Ah, non. Ah, au secours. Voilà. Ces ennemis sont extrêmement compliqués parce que les boules, si vous n'êtes pas à leur hauteur, elles vous pourchassent partout. Je suis full. Là, on me dit, eh, vas-y, va en haut. Sauf que non, j'ai pas envie. Et j'ai besoin de la clé qui est au-dessus. Par contre, j'ai le son super fort dans le casque. J'espère que au montage, le son est pas trop fort. Alors là, vais-je y arriver? Oui! Oh, j'ai. Putain, mais quel génie! Mais quel génie! Alors, ça, dans ma partie, je n'y suis pas arrivé. Et donc, du coup, un des secrets est débloqué. On ne sait pas ce qu'il y a. Oh! Alors, ça, j'essaie de me souvenir. Yes, armure max. Il y a plein de petites références là-dessus. Celle-là, je ne l'ai pas. J'ai bien une idée, j'ai une vague idée, mais je vais me taire pour éviter de dire une connerie. Si vous avez la référence, eh bien mettez-moi en commentaire. Parce que c'est super intéressant qu'on sache de quel jeu ça vient. Là, les fameuses grenades. Donc, grenade. Ah non, grenade. Merci. Grenade. Parfait. Donc, soit les grenades ça explose quand ça touche, soit ça explose au bout d'environ 3 secondes. Alors pour le moment je suis limité à 8, mais plus vous trouverez d'améliorations, plus vous en aurez en votre possession. Ah, et là ça va commencer, un maximum de trucs à rechercher. Ah, le weapon upgrade, maintenant c'est devenu un EMG, ce qui fait qu'il ne me consomme plus de balles, mais de l'énergie. Et là, ah, et ça vous l'avez, ça c'est facile, ça m'a fait rire, c'est ce qui m'a donné envie de faire la vidéo aussi. Petite référence à Duke Nukem, voilà, au calme, dans le jeu, très sympa. Je vais laisser en EMP. Là, il y a un secret, je le sais. Ah, Secret Area. Alors là, je suis invisible. Ce qui fait que personne ne me voit, mais si je me fais toucher, je prends des dégâts. Voilà. Je sais qu'il y a une upgrade tout là-bas, tout à droite. On peut tirer dans, évidemment, à peu près toutes les directions. Alors, pas en diagonale, ce qui est dommage. Bon, la musique boucle, hélas. Première amélioration, on a une amélioration pour les engins explosifs. Il y a une amélioration pour l'armure, pour la vie et pour les dégâts de certaines armes. Ça, la référence, je ne l'ai pas, hélas. Sur le Turbo Tarkia Puncher. Peut-être que si vous l'avez, ben, je suis preneur. Mais le jeu a beaucoup de références et je n'ai fait que 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 99% des... Bon, allez, 95% de références que je n'ai pas encore trouvées. Mais juste avec ça, je suis conquis. Je pense que juste pour cette vidéo, cette présentation de fin de game, je vais montrer les deux premiers. Vous allez voir qu'entre le premier et le deuxième niveau, il y a déjà une certaine différence. Au niveau de la difficulté. Ah, et alors là, les musiques. Vous avez entendu, il y a un petit saut de batterie qui s'est enclenché. Ça veut dire que... On est dans la salle, d'une des salles de... où la condition pour finir le niveau, c'est de tuer tout le monde en fait. Donc là, utilisez tout vos armes, tous vos trucs. Alors là, c'est... Là pour moi, c'est compliqué.
Ouais, ça a touché. Et c'est super bien géré. Et là, on est au calme. Parce que le niveau est terminé. Je trouve ça trop cool. Bon, oui, j'ai un score de 2 sur 5. On peut voir les runes que j'ai trouvées. Je ne sais pas où sont les autres, en fait. Donc, niveau terminé. Et quand on termine un niveau, l'endroit juxtaposé à une petite tache de sang. Deuxième niveau, on va aller en toujours en moyen. Et là, la musique change un peu. Alors, les musiques, je pense que ça doit être des petits bouts de musique, hélas. Et là, on va avoir de nouvelles features de gameplay. Spoiler, ça va être le double saut. Alors déjà, nouvel ennemi, les crânes volants, qui ont cette particularité de dasher et ensuite ne font plus rien. Et aussi ceci, ces petits générateurs d'électricité qui font très mal. Ils font extrêmement mal, ça fait violence. Et à la fin de ce niveau, on aura un boss. Voilà, alors Plasma Gun, je vous le montre une seule fois parce que ce Plasma Gun a une particularité. Quand vous tirez, que vous les guidez très légèrement la balle, et ben vous maintenez la direction. Alors par contre, il faut vraiment bien le faire. Bon voilà, là par exemple, j'y arrive juste pas du tout. J'ai réussi à tirer en diagonale, ce qui est génial. Bon, par contre, je vais essayer de pas trop l'utiliser parce que ça me consomme un petit peu trop d'énergie. D'ailleurs, ça y est, j'ai trouvé enfin à quoi sert le truc en bas à gauche. C'est les munitions que cela consomme. Donc là, actuellement, mon pistolet ne me consomme absolument rien du tout. Donc je vais continuer à l'utiliser pour tout le temps en fait. Le jeu est assez bien expliqué. Il n'y a pas besoin de parler français. Pas besoin du genre français, même zéro besoin, j'ai envie de dire. Ah, là il y a quelque chose. Ah, les voilà, les deux doubles sauts. Les casques, c'est de la vie, je pense que ça vous l'avez deviné. Pour le moment, vu que je joue en facile, ça va. Rien de compliqué. Par contre, je pense qu'arriver à la fin de. Peut-être du niveau 3 ou 4, quand j'y serai, quand vous y serez, bien, je vous invite à me dire le moment à partir duquel vous en avez eh bien, bavé. Alors elles me disent oui, reviens. Non, j'ai pas envie de revenir. Il y a tellement moyen de speedrunner le jeu, je suis sûr et certain. Toujours explosif max. Donc là, j'ai droit à 10 mines. Ce qui est pratique. Non, c'était juste là-bas. Voilà. Là-bas, qu'il y avait. Plein, plein. Voilà, il y a ça. Arène secrète, petit niveau de plateforme pour apprendre à utiliser le double saut. Putain, je me la suis pris celle-là. Et petite vie. Et ceci étant va augmenter. Voilà, va augmenter mon énergie max électrique. Et une super charge de vie. Très cool. La musique est vraiment trop bien. La musique est géniale. Franchement, juste pour la musique, je vous le recommande. Même si c'est des petits loops, il faut prendre en considération que, voilà, hop, la phase un peu difficile, la phase combat de boss avec la batterie qui s'enclenche,
Au moins c'est bien. Quand vous avez de la batterie, c'est-à-dire que, hey, t'as vu, tu vas en chier. Et ça se calme assez rapidement, ce qui est une bonne chose. Ce qui fait qu'on a un repère auditif. Auditif. Oula, le français est mort dans cette phrase. Hop, je récupère. Petite amélioration de vie. Ah mais alors, je déteste ces créatures. Alors là, petite phase plateforme. Il y a tellement, tellement de trucs à faire attention. Ouais, là ça y est, ça va devenir le bordel. Putain, c'est le bordel. Yes, voilà. Il n'y a pas un secret là? Non, il n'y a pas de secret. Raté. 1, 2. Alors il y a aussi un truc, petite parenthèse. Actuellement, trouver des bons fan games, sachant que c'était la mode il y a quand même 2-3 ans. Ah, ça y est, le checkpoint. On va arriver au boss. Du coup, je ferme une parenthèse maintenant. Trouver des fan games aujourd'hui, c'est pas comme il y a 2-3 ans où il y en avait à l'appel et de plus ou moins bonne qualité. Là, j'arrive à en retrouver, mais je suis assez sélectif. Donc, pour le moment, il y en a eu actuellement. Là, c'est le troisième que je présente d'affilée sur la chaîne avec Mario tout disait et. Et j'ai oublié le dernier, c'est génial. Mais sachez que derrière, j'en télécharge environ une trentaine et il y en a facilement 90% qui passent à la trappe parce que c'est pas super. Voilà. Du coup, je vous invite à rechercher à chaque fois vos des fan games en tapant fan game, le nom du jeu dont vous voulez un fan game. Et il y a énormément de propositions. Voilà. Faites vos choix. Et là, le boss fight. Un boss fight pas compliqué. Vu qu'il suffit de il suffit juste de mitrailler. Voilà. On va peut-être mettre au shotgun. Et même la fin est gérée. Je mets un point en plus juste pour le mixage sonore sur les musiques qui est ultra bien géré. Et fin du niveau. Et du coup, voilà, kill, pas de mort. Bon, le temps, bah les couilles, difficulté, je suis peu en hard, mais je m'en fous. Et les secrets, je ne les ai pas tous trouvés. Voilà. Je pense que juste avec ces deux niveaux, vous voyez à peu près 85 à 90% du gameplay de Doom, de Mini Doom 2. Ce qui fait que je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit fan game vous aura plu. C'est peut-être un des fan games que j'ai le plus apprécié à faire ces derniers temps. Parce que Mario Odyssey c'était une démo. Et l'autre aussi c'était une démo. Là on est sur un jeu je crois qui est fini. Faudra que je vérifie. Si vous voulez le télécharger, il y a la page itch.io en description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Ou bien si vous voulez donner un coup de main au développeur, eh bien. Moyennant une petite somme d'argent de 1$ ou ce que vous voulez, et eh bien je vous invite à le faire parce que ça a l'air trop cool. Merci à tous d'avoir regardé ce fan game. N'oubliez pas, comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire. Si vous avez un fan game à me proposer, peut-être que je le présenterai s'il est bien. À vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Je suis sur Twitter pour annoncer des trucs et pour dire des trucs. Il y a un Discord qui est un petit peu mort en ce moment, mais c'est surtout pour les sorties des vidéos. Et voilà, merci à tous, un bon fan game et à la prochaine pour d'autres vidéos.